Salut tout le monde, bienvenue pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va s'attaquer à Dirt Rally et si vous entendez un bruit derrière moi, navré, c'est le ventilateur parce qu'il fait très chaud. Dirt Rally donc, comment installer un skin? Ça m'a été demandé par quelques personnes, donc le jeu est sorti un bon moment, mais avec les nouveaux packs, eh bien, de nouvelles voitures arrivent, donc on va voir si on peut installer de nouveaux skins. Donc pour ça, rendez-vous sur la meilleure ressource que je connaisse, à savoir Race Department. Une fois que c'est fait, vous allez sur Dirt Rally. Et vous allez avoir la liste des skins et quelques nouveautés. Il n'y a pas encore de sous-catégorie parce qu'il manque quand même des choses. Donc par exemple, si on prend la Peugeot 306 du kit Terror Tarmac Pack, donc le nouveau pack, vous faites télécharger. Une fois que c'est téléchargé, vous allez l'avoir sur le bureau. Quand vous l'avez sur le bureau, vous faites extraire ici. Donc là, moi, il me le met. Donc vous l'avez ici. Vous avez un dossier. Et en fait, ce qui est génial, c'est que dans le dossier, vous avez tout ce qu'il vous faut pour l'installer. Donc normalement il vous dit où vous devez aller chercher votre dossier. Donc nous on va le faire ensemble, comme ça si vous avez des difficultés, il n'y a pas de problème, on va trouver ça tout seul. Voilà, donc maintenant on fait ordinateur et on va chercher en fait le dossier du jeu qui se situe normalement dans votre dossier Steam puisqu'il n'y a que là que le jeu est disponible. Donc vous cherchez votre dossier dans Steam. Donc vous allez dans Steam Common, et là vous cherchez Dirt Rally. Une fois que vous êtes dans Dirt Rally, vous allez avoir plusieurs dossiers. Et ici on a un dossier qui s'appelle 306. Pourquoi? Parce que ça correspond au modèle de la voiture. On va dans Cars et on va dans Models, donc les modèles 3D importants. Et une fois que vous êtes ici, vous avez la liste de toutes les voitures qui sont disponibles pour Dirt Rally. Si on prend la 306, on voit que dedans il y a plusieurs Livery. Donc on va prendre 306. En fait, Livery, ça correspond à la livrée. Donc vous avez 5 décorations officielles, plus 2 ou 3 qui sont fantasy que vous pouvez personnaliser. Donc dans ce cas-ci, on prend la livrée 41, on le colle, hop, on fait remplacer, oui, on remplace tout, et quand tout est fait, vous fermez, vous démarrez votre compte Steam, vous démarrez Dirt Rally, on va vérifier ensemble en direct si ça passe bien, et donc nous voici dans Dirt Rally, on va faire une petite épreuve, histoire de voir eh bien, si la voiture s'est bien installée. Histoire que vous voyez le skin. Donc il faut retenir simplement le numéro de la voiture. Donc dans ce cas-ci, la livrée 41. Ça doit être la première. Donc ça doit être celle-ci. Et on va charger donc la spéciale. Et on va voir si la voiture ressemble à quelque chose. Si elle est bien skinée comme prévu. Et voilà, vous découvrez donc la livrée de la Peugeot 306 Maxi qui a donc été changée. Vous pouvez donc profiter de votre voiture skinée comme il faut. Voilà, bah écoutez, si ce tutoriel vous a aidé à vous en sortir, eh bien n'hésitez pas eh bien, à laisser un petit like. Et si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à vous exprimer dans la section commentaires. Je vous répondrai avec plaisir comme toujours. Merci les amis et à bientôt pour un prochain tutoriel. Salut !